Rabbi Nachman de Breslev, c'est dans la maison du Baal Shem Tov dans la ville de Medibos que l'âme de Rabbi Nachman de Breslev est descendue. En ce monde, le Rosh Chodesh du mois de Nissan 5532, qui est aussi le Rosh Hashanah des rois. Rabbeinu, c'est ainsi qu'il est surnommé par ses élèves, est l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov et descend directement du roi David. Sa mère Feige était célèbre dans toute l'Ukraine pour sa grandeur spirituelle. Elle était surnommée Feige la prophétesse par les tzadikim de l'époque. Dès la naissance de Rabbi Nachman, elle s'occupa de lui dans la plus grande sainteté et, en effet, Rabbeinu témoigna lui-même avoir commencé à servir Dieu dès l'âge de 3 ans. À 6 ans, il sortait en cachette toutes les nuits pour aller prier sur la tombe du Baal Shem Tov et rentrer juste avant l'aube, sans que personne ne se doute de rien, et c'est à 7 ans qu'il commença l'écriture de son premier livre, le fameux Sefer Amidot, le livre du Aleph Bet. Néanmoins, quand on disait à Rabbeinu qu'il devait son niveau spirituel à ses origines saintes, il réfutait cette affirmation et assurait qu'il avait fourni des efforts incessants pour devenir ce qu'il était devenu. C'est pourquoi la dimension spirituelle de Rabbi Nachman était absolument unique en son genre. Il ne se satisfait jamais des niveaux sublimes qu'il atteignait et se renouvelait sans cesse, à tel point que vers les derniers jours de sa vie, il avoua à son principal élève Rabbi Nathan qu'il doublait sa grandeur à chaque seconde. La bouche ne peut exprimer, ni le cœur imaginer, la nouveauté incroyable qu'il était pour ce monde. Très jeune, Rabbi Nachman devint un tzaddik absolument parfait. Débarrassé du moindre soupçon d'appétit malsain et de mauvais traits de caractère alors qu'il était encore adolescent. Son premier chassid, il l'eut à l'âge de 13 ans et à 18 ans, il était entouré par un nombre important de chassidim qui affluaient de partout avec parmi eux des tzadikim de leur plein droit, comme le fameux Maggid de Teravitsa, âgé de 70 ans et chef spirituel, un admour de 85 villes, qui avoua bien plus tard « Je suis un expert en tzadikim, mais je me suis attaché à un enfant. » Rabbi Nachman de Breslev déclara cependant « Personnellement, je n'ai rien à faire dans ce monde. Je n'y suis venu que pour rapprocher les âmes d'Israël vers Hachem Yitbarach. » Telle est la mission sainte à laquelle s'employa le tzaddik de toutes ses forces. Il dévoila, il y a environ 200 ans, des enseignements et des conseils qui sont d'une actualité déconcertante et permettent à n'importe quel juif de trouver la force de sortir de ses erreurs. Chaque année, à Rosh Hashanah, plus de 10 000 juifs venus du monde entier se rendent en Ukraine à Ouman, sur le kever de Rabbi Nachman, et le nombre grandit régulièrement. Ce n'est pas un hasard, car le tzaddik a promis des bienfaits extraordinaires à celui qui viendra le pèleriner. Alors à bientôt à Ouman. Vous aussi, soyez présents au grand rassemblement annuel à Ouman pour Rosh Hashanah 2014.